À la suite de l'émission que nous avons consacrée aux réseaux sociaux, dans lesquels nous lisons beaucoup de choses, de bonnes choses, nous apprenons également de merveilleuses choses. Il y a des choses lamentables qui sont publiées et qui ne sont pas politiquement correctes. Une façon d'introduire cette émission qui va tourner justement autour du politiquement correct. Un homme politique, c'est un monsieur responsable qui ne dit pas n'importe quoi. Mais malheureusement, nous avons constaté que c'est souvent certains hommes politiques qui ont l'insulte facile, l'injure facile et qui parfois disent n'importe quoi. C'est donc un sujet, vous l'avez constaté, intéressant, autour duquel il sera intéressant que nous puissions consacrer quelques minutes. Bonsoir, je vous présente mes amis avec lesquels je suis autour de cette table. Maître Bagala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Maître Magala venait d'avoir seulement 50 ans dans ce groupe. Et après Maître Magala, nous allons saluer M. Norbert Yomba-Yomba. Yomba-Yomba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, c'est Kibambi. Il n'est pas très en forme, mais vous verrez au fur et à mesure que nous allons dérouler le débat. La force va revenir. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Maître Magala, c'est vous qui allez lancer ce débat, puisque, reconnaissons-le, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Pourquoi avez-vous pensé que ce serait utile qu'on puisse en débattre, hein? Merci beaucoup. Vous savez, quand nous analysons notre société, certes, il y a des qualités, mais il y a surtout beaucoup de défauts, beaucoup de tares que peut-être nous commettons par ignorance ou par habitude, mais que nous sommes appelés à dénoncer pour que ce qui existe maintenant ne se reproduise plus dans l'avenir. C'est pour ça qu'ayant constaté certaines dérives dans l'exercice, surtout de la politique, nous sommes dit qu'il était temps vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme. Merci. Vous avez compris que nous sommes sous le chapitre du changement de mentalité. Ce qui est mauvais, il faut avoir le courage de le dénoncer. Ce qui est bon, il faut avoir également le courage de l'applaudir. Monsieur Yomba-Yomba, qu'est-ce que vous avez envie de dénoncer dans le comportement des politiciens, des politiques? Merci beaucoup. D'abord, je félicite Maître Magala qui a bien pensé à cet exercice important. Il faut reconnaître que chaque métier a ses principes, ses valeurs, ses normes. Lorsqu'on exerce un métier et qu'on ne fait pas attention à ces normes, on est là en train d'aller vers une dérive. La politique, c'est aussi un métier qui a ses principes, qui a son mode de fonctionnement, etc. Si un politique quitte le principe, quitte les valeurs qui sont reconnues à tout homme politique responsable, ça devient un danger public. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, lorsqu'on regarde le comportement de certains de politiques, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas encore compris quel est le métier qu'ils sont en train véritablement d'exercer. Regardez, même un politique ne peut pas prononcer n'importe quoi, n'importe comment. On dit souvent, et quelqu'un me disait, qu'un politicien, même s'il est attaqué, il a la capacité de désobéir la tyrannie des émotions toxiques. C'est-à-dire que malgré les attaques publiques, il peut se réserver. Mais quand vous voyez un politique, on l'attaque sur une petite chose, il commence à se bagarrer. Vous voyez, il est en dehors des normes. Quand vous voyez un politique, lorsque on dit
On l'ingérie pour un problème et il lui réagit de la même manière. Donc, il s'éloigne de la dignité, de la crédibilité reconnue véritablement aux hommes politiques. Donc, la politique exige naturellement qu'on puisse construire une dynamique de débat, de prospérité. Et lorsqu'on est dans le sens de la prospérité, on laisse justement le débat des quartiers. Et le débat des quartiers vient embrouiller véritablement ce que nous appelons le politiquement correct. Très bien. En fait, je vous ai bien compris, quand quelqu'un vous taquine ou prononce des paroles injurieuses, vous le suivez, c'est comme si vous suiviez un fou. Vous avez vos normes, il suffit peut-être d'une phrase pour le remettre à sa place. C'est le comportement que nous vous conseillerons désormais de suivre. Modeste Bonigaba. Oui, je crois que nos amis viennent de montrer que, contrairement à ce qu'on pense, la politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique est le domaine, je crois même, le plus devrait être le domaine le plus exigeant et le plus difficile. Parce que la première qualité, comme vient de le dire notre ami Norbert Yambayamba, la première qualité d'un homme politique devrait être le sang-froid. Être capable de se maîtriser en toutes circonstances, parce qu'il y aura toujours, effectivement, des petits malins qui vont chercher à vous déstabiliser. Tout à fait. À ce que vous puissiez perdre le contrôle. Et donc, si vous êtes facilement irritable, évitez d'aller en politique. Parce que là, vous aurez à tout moment des gens qui viendront vous mettre en difficulté. Donc, nous devons attirer l'attention de ceux qui, chez nous, ont choisi de faire cela comme... Bon, je n'aime pas trop le terme métier, parce que quand même, la politique, ça ne devrait pas être considéré comme un métier, dans le sens que on est une corporation, on a un... Disons ce sacerdoce. C'est le sacerdoce. Même ce sacerdoce a des règles, effectivement, comme on est en train de le dire ici. Et il faut donc que ceux qui ont choisi d'entrer dans ce milieu-là apprennent à se comporter de façon digne, de façon exemplaire. Voilà, ce qui vient d'être dit est très très important. Il y a des personnes qui sont là pour déstabiliser les autres. Et si vous êtes irascible, eh ben c'est tout de suite des coups, et cela devant vos propres enfants, puisque ces enfants regardent la télévision devant des personnes qui vous respectent. Ce n'est pas à conseiller. Cette qualité, il faut vraiment que vous l'ayez, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Alors, à vous, nos téléspectateurs, devant les personnes facilement déstabilisables, quel devrait être votre comportement? C'est des personnes en qui il faut peut-être ne pas avoir confiance au moment des votes. Deuxième tour de table, Maître Magala. Merci. Déjà, la première question, c'est quoi la politique? On devrait déjà le savoir avant de s'y engager. La politique, on dit que c'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire qu'on soit au pouvoir, qu'on gère déjà la cité, qu'on soit dans l'opposition, on s'apprête à gérer la cité. Donc, c'est un métier qui appelle certaines responsabilités. Et que dire d'un politique? Pourquoi il choisit d'être politique? Pourquoi il choisit de faire la politique? Ce devrait être ça la première question, parce qu'on ne fait pas la politique par défaut. On ne fait pas de la politique parce qu'on n'a pas eu d'autres métiers ou parce que les autres métiers qu'on avait ne marchent pas, on ne paye pas. On fait la politique parce qu'on a un appel, parce qu'on refuse de subir les décisions. On veut être acteur des décisions au haut niveau pour agir et contre-agir avec l'ensemble des gens
qui vivent avec nous et apporter un plus. Voilà pourquoi on devrait faire la politique. Donc, c'est un sacerdoce, comme on venait de dire, en se disant que la mission finale devait plus être regardée comme un service à rendre à la communauté et pas comme un souci, soit de règlement de compte, soit de vengeance, soit d'accumulation de biens. D'accumulation de biens, surtout ça, parce qu'il y a même un président américain qui dit qu'on ne pouvait pas s'enrichir hautement, honnêtement en politique. Quand tu vois un politique riche, c'est qu'il y a de la filouterie derrière, à moins qu'il ne fasse seulement de la politique. Mm-hmm. Donc, c'est le sens des services là, qui devait primer plus et appeler les gens à faire la politique. Pourquoi ? On ne s'improvise pas en politique. C'est-à-dire que ceux qui ont un appel, ça se voit déjà depuis le bas âge. Vous verrez même déjà au niveau de l'école primaire, ils cherchent à être chef de classe, ils cherchent à être capitaine de l'équipe, ils cherchent à être porte-parole et ça évolue. On voit en lui un meneur d'hommes, quelqu'un qui s'exprime pour le bien de tous. Mais si on n'a pas ces qualités-là, on ne peut pas se réveiller un matin où on se dit « Bon, je suis candidat député, mais pour aller faire quoi, pour aller dire quoi ?» C'est comme ça que nous avons des députés qui ont fait 4 mandats, mais il n'a jamais, même un amendement, il n'a jamais proposé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi il est là. Il se limite à accumuler des mandats. Et on se demande même pourquoi ces électeurs choisissent des gens qui sont improductifs ou arrivés à ce niveau de responsabilité. Voilà donc, le souci, c'est de ramener les gens à cette préoccupation des services qui devait animer nos politiques. Alors, si la politique se fait effectivement ce qui vient d'être défini, si c'est un sacerdoce, quelqu'un qui a fait un mandat, il n'a pas donné la preuve qu'il le faisait, qu'il était appelé de par ses qualités, pourquoi, et Maître Magala, merci de l'avoir dit, pourquoi vous voulez lui donner un second mandat? Pourquoi? Pour qu'il aille dormir tranquillement au palais du peuple, dans les assemblées régionales? Non. Monsieur Yemba Yemba. Merci beaucoup. Il faut reconnaître que notre société a beaucoup de problèmes. Les latinistes disent que ignotini la cupido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Il faut connaître pour que vous puissiez désirer. Et nous fonctionnons un peu comme en vrac. On veut faire la politique, parfois on ne connaît pas les objectifs de la politique. On veut devenir, je ne sais pas, acteur social, on ne connaît pas suffisamment. Or, généralement, Maître Mangala l'a dit, faire la politique, ça veut dire être au service des autres. Être au service des autres suppose qu'il y a des sacrifices à faire, mais il y a aussi la volonté de véritablement servir. Et là, ça ne se construit pas, ça n'arrive pas de manière automatique et ni mathématique. Ça s'apprend, c'est tout un processus. Parce que je veux véritablement être au service d'un peuple. Quelles sont les qualités pour lesquelles je dois pouvoir avoir? Quelles sont les valeurs que je dois adopter? Quelles sont les normes du métier? On apprend, et vous incarnez naturellement le prototype dans la personne qui véritablement doit être au service. Vous devenez le modèle référentiel. Mais ici chez nous, c'est tout un problème. Certes, le travail lui-même est difficile. Et là où il n'y a plus de facilité pour trouver du travail, c'est en politique. On a vu M. Kibambi, peut-être qu'il a une chaîne de télévision. Modeste a envie vraiment d'avoir sa chaîne. Et pour avoir une chaîne, il suffit simplement de faire un mois en politique. Et vous avez toute une chaîne. Oh, M. Kibambi, c'est le résultat de beaucoup d'années de sacrifices, etc., autour d'un métier, etc. Et donc, tout le monde adhère aujourd'hui en politique, oubliant qu'on doit servir, mais on y entre simplement parce qu'on a envie de se servir. On s'en fout éperdument, n'est-ce pas, de ce que représentent les normes, les valeurs, les règles de jeu. Et voilà qu'on est dans ces sortes de cafouillages où on a des politiques, mais qui, véritablement, ne savent pas s'auto-regarder, ne savent pas regarder le miroir pour dire, mais est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, ça correspond véritablement à un modèle
d'une société, ça devient un problème. Et donc, sincèrement, beaucoup déjà, j'avais vu à l'époque, en France par exemple, Jospin. Jospin, il dit, mais bon, j'ai été enseignant d'université, j'ai réuni mes petits moyens, maintenant là, je vais me sacrifier. Vous vous rappelez qu'à l'époque, Jacques Chirac, lorsqu'il était président, il n'avait que 3 000 euros. 3 000 euros, c'est avec Sarkozy qu'on est parti, on a augmenté un peu jusqu'à 10, aujourd'hui on est à 19. Mais chez nous, quand quelqu'un veut faire la politique, ici qu'il va s'enrichir, il va acheter des gratte-ciel, etc. Donc, sincèrement, on ne se donne pas la concentration nécessaire pour apprendre. On ne se donne pas la concentration nécessaire pour désapprendre, pour réapprendre, de manière à devenir un peu plus capable pour qu'on puisse résoudre les problèmes qu'on s'est engagé. Et là, coup de chapeau, M. Kibambi, ce type de mission, encore que ça se généralise, c'est pas pour qu'on discute des questions de fond pour permettre au pays d'avancer. On a besoin des émissions qui relèvent véritablement de la préoccupation de la prospérité de notre peuple. Mais on est plus dans les débats d'opinion. Qui a fait quoi? Quelle constitution? Quelle loi? Qui a plus d'argent? Comment ça? Merci, monsieur Yemba Yamba Norbert. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut déconstruire cette idée qui, malheureusement, est celle qui traverse les esprits des gens quand ils voient quelqu'un, après son mandat, bardé de voitures, certains se disent « Talamoutou ». Non, il est allé là-bas, normalement, pour vous servir. S'il en sort avec des millions, c'est qu'il a mal travaillé. Il a travaillé contre vous et vous, eh bien, ne lui renouvelez pas le mandat. Ce sont des éléments que nous sommes en train de vous donner pour armer votre... pour ajouter un plus à votre savoir, savoir choisir. Modeste Bonigaba. Oui, je crois que finalement, comme on dit, du choc des idées, jaillit la lumière. On se rend compte avec cet échange que au lieu de prendre l'homme politique comme il est là, peut-être qu'il faudrait, revenir à ce que Maître Magala disait, que on devrait commencer par la question, c'est quoi la politique et pourquoi on entre en politique? Lorsque on y va comme on est en train de le faire, alors que nous on a effectivement la preuve que chez nous, la politique est devenue le moyen le plus court pour s'enrichir, et donc c'est le secteur qui attire le plus les gens, je crois que là on fait fausse route, parce qu'il faut d'abord qu'on se demande, dans un pays normal, la politique c'est quoi? La politique c'est le service, servir. Donc il y a, comme l'a dit Maître Magala, il y a comme un appel. Vous sentez que non, moi je ne vois pas ma vie en train de faire autre chose que servir. Donc il y a déjà cette façon, donc créer les conditions pour que seuls ceux-là qui ont effectivement la vocation de servir puissent s'engager en politique. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va, comme ça, avoir peut-être moins de problèmes, comme on a dit qu'il y a quelqu'un qui a fait 4 mandats, mais il n'a jamais même proposé un amendement à un article d'une loi. 4 mandats, 20 ans, mais quand il rentre chez lui là-bas, il est toujours réélu haut la main. Parce que d'abord, peut-être qu'il n'y a aucun candidat qui ose se mettre en concurrence avec lui. Parce que lui, il contrôle totalement le coin, de sorte que c'est devenu sa chasse gardée. Donc, il faut réfléchir d'abord surtout à ça en amont, pour se demander si on a effectivement créé les conditions pour qu'on puisse faire émerger ceux-là, seuls qui ont la vocation de servir, et à ce moment-là, on pourra juger si, effectivement, ils ont fait le travail comme on l'espérait, est-ce qu'il y a des choses à corriger ou pas.
Donc je crois que c'est mieux de prendre les choses par cette lucarne-là. Voilà. C'est vrai que il faut prendre cette vocation par ce bout-là. Et puis, regardez aussi votre candidat ou vos différents candidats. Mais quelles sont les preuves qu'ils ont données qui peuvent vous démontrer qu'ils le serviront, qu'ils viendront pour changer les choses en l'avantage du peuple? Tout ça, ce sont des choses à examiner. Quelqu'un qui sort de sa brousse, qui vient, non, je voudrais devenir ceci. Non, je crois qu'il faut quand même connaître l'homme. C'est pour ça qu'il y a, que avant les élections, il y a la campagne. Quelqu'un vient à vous pour se faire connaître. Et c'est à l'aune de ses qualités, de qualités qu'il met à votre disposition. Et aussi, essayer de fouiner, de chercher dans son passé s'il y a des éléments qui peuvent vous donner envie de le choisir comme votre candidat, toujours en considérant qu'au bout de cette peine, il y a le bonheur, il y a la construction du pays, Maître Mangala. Et c'est vrai ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. On a l'impression plutôt ici chez nous que ce débat-là n'existe pas. Le débat de la relève, c'est autour des personnes et ça fausse la donne. C'est-à-dire, le plan, mon plan d'action ne peut pas être, ça se résume en une phrase, M. Mbonigaba doit partir. Ok, bon, il part, après, on fait quoi? Parce qu'il n'y a aucune autre idée à part M. Mbonigaba doit partir. Parce qu'on est du même coin, il doit partir, c'est moi qui doit être désormais là. Oui, mais il doit partir pourquoi? C'est parce que les gens ne pèsent pas la responsabilité que celle de nos politiques qui sont appelés à prendre des décisions pour notre compte. Un politique, quand il décide, c'est pour une ville, c'est pour une province, c'est pour un pays. Et ce sont des décisions qui nous engagent et qui nous engagent pour longtemps. Conséquence, il faut peser la responsabilité du politique avant même qu'il entre en action. Pourquoi? Le politique doit avoir certaines compétences. Non seulement pour gérer, mais aussi pour l'équilibre entre les promesses faites et les contraintes de l'État. C'est-à-dire, vous pouvez être candidat aujourd'hui, gouverneur d'une province, vous faites des promesses. Et généralement, nous faisons des promesses sans études préalables. Nous faisons des annonces comme ça. Ok. Mais on arrive au pouvoir, il y a des contraintes auxquelles il faut faire face. Donc, il faut être à même de gérer l'équilibre là, d'avoir les compétences nécessaires et savoir revenir au peuple pour dire voici ce qui se passe, j'ai promis ça, voici les contraintes, je n'ai pas pu réaliser. Mais si vous avez des gens qui n'ont pas été préparés à ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est commerçant, il estime qu'il a suffisamment d'argent maintenant, pas, il est candidat député. Ok, on commence par quoi? Non, ce n'est pas mon problème, moi je suis élu. Parce qu'il sait qu'après, il va revenir avec le même argent, faire l'achat de conscience et revenir encore. Mais quel est le résultat? Ça pose problème. Et qu'est-ce que je veux dire? Bien que ce soit un métier, il faut éviter d'en faire un domaine carriériste inutilement. C'est-à-dire que vous avez été ministre, vous avez été député, vous n'avez aucun résultat probant. Mais vous voulez en faire une carrière permanente parce que vous en avez les moyens, eh bien non, vous êtes en train de nuire à l'État. Et c'est ça, cette conscience-là qui devait nous habiter pour dire n'importe qui ne peut pas avoir mon mandat. Dire non, équilibrer et choisir en connaissance des causes. Et nous aussi, de l'autre côté, c'est porter candidat en connaissance des causes. On n'est pas ministre par habitude. On n'est pas ministre par manque de... pour avoir échoué dans une autre carrière. Et non, on est ministre parce qu'on a des compétences et savoir rendre compte ce qui nous manque aujourd'hui. Vous verrez malheureusement que dans cette lutte-là de qui doit remplacer qui, nous tombons facilement dans l'injure.
et avec les réseaux sociaux qui sont devenus une arme politique pour nous, donc c'est sur n'importe qui qu'on publie n'importe quoi. C'est en train de nuire largement à notre société et nous devons nous reprendre rapidement pour faire partir ces antivaleurs. Il y a aussi un petit défaut, c'est celui de vouloir travailler nécessairement pour ses frères. Moi, je ne sais pas, après évaluation, puisque cette émission vous est destinée, vous avez élu des frères. Est-ce que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils vous ont donné ce qu'ils vous avaient promis? Généralement, ils vous oublient. Donc, ce n'est pas le fait de travailler pour son frère qu'il faudrait, privilégier. C'est plutôt choisir quelqu'un qui peut servir, qui peut changer les choses. Parce que cette personne, de par sa qualité, a fait la démonstration qu'il était en mesure de le faire. C'est cette personne qu'en fouillant dans son passé, vous voyez que il a fait d'abord de sa vie, il a construit sa vie correctement et qu'il peut servir aussi la communauté. C'est cette personne, pas nécessairement ses frères. Moi, j'entends des gens, plusieurs personnes dire, voilà, on l'a élu, maintenant il nous a oubliés. Mais quand il reviendra avec un peu de bière, vous serez encore les premiers à lui donner vos voix. Ça, ce sont des erreurs. Des erreurs à éviter. Yamba Yamba Norbert. Merci. Il faut reconnaître, M. Kibambi, que si ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, seraient en mesure de comprendre quelle est la pertinence du message que nous voulons véhiculer aujourd'hui, je crois qu'on aurait fait un bon bondissement. Regardez, nous avons dans notre pays, qui du reste est une méga nation, 97 villes, 603 communes, 478 secteurs et 259 chefferies. Une chefferie correspondrait même à un pays. Je prends par exemple Sao Tomé-Principe. C'est essentiellement 1000 km², 200 000 habitants. Vous allez ici dans les Bandundu, vous allez trouver la première chefferie à Kengé. Vous êtes au-delà de 750 000 habitants. C'est pratiquement la Guinée équatoriale. Et si nous devons travailler dans le sens de nous choisir simplement parce que tel est mon ami, je sais qu'il est modeste, on est avec lui pendant plusieurs années, mais il sait bien que Norbert est incapable de faire ceci et puis il me prend simplement parce que je suis son ami. Ça devient un danger public. Et on a fonctionné de cette manière-là. Ce qui m'a dit, jamais lorsqu'on est dans un parti politique, je vois, j'ai été candidat en 2018. Et je dois vous avouer que généralement, quand on voudrait aller aux élections, etc., mais les gens discutent du projet. Il y a un projet au niveau national, il y a un projet qui reprend les éléments du niveau national, mais spécifiquement ce qui va se passer au niveau provincial. Et il y a aussi un projet au niveau local. Mais il faut y aller. J'ai été étonné. Il n'y a pas de propagande. Si ce n'est que de distribuer l'argent, les t-shirts, n'est-ce pas, les polos, etc. Et personne ne vous dit très concrètement qu'est-ce qu'on pense au niveau national. Qu'est-ce que son parti ou son groupement politique devra faire. Qu'est-ce qu'on devra faire au niveau provincial et qu'est-ce qu'on doit faire au niveau local. Tous universitaires. C'est ce que j'appelle des pseudo-chercheurs politisés. Qui, visiblement, n'ont aucun message, n'ont aucune offre. Mais curieusement, simplement parce qu'il a eu avec facilité un peu plus d'argent, il montre qu'il est auréolé d'un prestige, il est plus que tout le monde, simplement parce qu'il a l'argent. Et il distribue l'argent. Et ça, c'est un danger public, M. Kibambi. Si une chefferie peut représenter un pays, et si vous avez le modèle de ces hommes-là, qui sont tout le temps dans les débats de quartier, nga l'équipe Ombongo, qu'est-ce que ça vient faire? Parce qu'on veut être au service d'un peuple. On veut donner à notre peuple une espérance. J'ai un projet.
J'ai les éléments de réponse par rapport à votre problème. Voilà comment ça se présente. Voilà comment je vais échelonner ça. Voilà comment je vais appliquer, mobiliser les gens autour de ça. Rien du tout. Mais simplement parce que non, on a un président. Mais écoutez, ça, mais c'est qui m'a mis. Nous avons 2 345 000 km². Nous avons 80, nous sommes plus que la Belgique 80 fois. Le Rwanda 100 fois. Luxembourg 120 fois. Sincèrement, M. Kibambi, si on continue avec l'élite politique que nous avons aujourd'hui, qui visiblement n'est pas préoccupé du débat de prospérité, suivez combien de débats comme ça vous trouvez à la télé. Des injures. Et vous élisez quelqu'un qui insulte. Est-ce que c'est sérieux? Oui, mais c'est un délinquant politique, un délinquant juvénile. Mais en fait, est-ce que le peuple a conscience de ça? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que, bon, mais on le regrette, pourquoi? Pourquoi on doit dire, écoutez, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas la route. Après avoir élu quelqu'un qui vous a donné 2000 francs. C'est ça. Ouais. Et donc, nous avons une grande responsabilité. Et c'est comme ça que dans toute société, M. Kibambi, lorsqu'on veut promotionner le pays, lorsqu'on veut véritablement être au service de son peuple, il y a 3 types d'éducation. Il y a l'éducation formelle. Ce sont les enseignements qui sont organisés depuis la maternelle jusqu'à l'université. Il faudrait que ces enseignements répondent aux vrais problèmes de la société, encore que les gens puissent véritablement domestiquer cela. Il y a l'enseignement non formel. C'est comme l'ABC du journalisme. Il faut l'apprendre, même si vous avez 3 doctorants, je ne sais pas dans quel domaine. Et donc, vous avez également l'enseignement du fils. L'éducation du fils. Et donc, on a besoin, à la télé, qu'on puisse construire une sorte de pacte en termes de priorité. Parce que l'information a un impact grandissant sur les hommes. Alors maintenant, si dans la télévision, outre la chanson, la danse, et puis finalement l'église, et entre-temps, même dans les chaînes nationales, on n'est pas préoccupé pour dire quel est le type d'enseignement que nous poussions travailler pour accroître la capacité de lucidité des citoyens, de manière que ces choix soient judicieux et que de manière aussi à permettre ce qui arrive de trouver quand même des hommes et des femmes qui réfléchissent pour que le pays avance. Tout cela en faisant commis, sincèrement, si on n'y est pas encore et si on ne se mobilise pas autour de ça, je vous assure, on attendra longtemps. Et la démocratie, c'est essentiellement l'ère démocratique. Elle est démagogique et ça nous éloignerait véritablement de la mission qui est de la politique. Oui, c'est vrai, et notre ami Modeste Bounigaba le disait l'autre jour, vous n'avez pas conscience de la valeur de votre voix. Votre voix va hisser quelqu'un, un bandit de grand chemin, dans les hautes responsabilités. Mais c'est grave. Donc, c'est une grande responsabilité. Votre voix, de votre voix, dépend beaucoup de choses, notamment le développement, le bonheur de vos enfants. Modeste. Oui, je crois que, en fait, le problème se situe là. Parce que lorsqu'on peut facilement troquer sa voix contre une bière. Non, c'est que vraiment, on ne se prend pas au sérieux. On n'a rien compris. Il faut tout arrêter et se demander à quoi, hein, ça sert des élections. Parce que le lien qui doit exister entre cette voix et la personne qui va la porter, parce que vous lui donnez pour qu'il aille là-bas, doit être un lien tellement strict que même pour tout l'or du monde, on devrait refuser de la donner à un monsieur comme ça que Norbert vient de décrire, parce qu'il a beaucoup de voitures, parce qu'il a ceci, et lui il vient au village là-bas, il vous impressionne, vous lui donnez votre voix. D'ailleurs avoir plusieurs voitures, excuse-moi de vous avoir coupé, nous sommes allés à l'enterrement, on est allé au deuil d'une grande personnalité de la Deuxième République avec une consoeur européenne qui, au vu de tout ça, quand il a regardé, à l'observer la parcelle, il dit, mais regardez le nombre de voitures. Cette voiture ne manque qu'un pneu. Celle-là manque. C'est un signe de sous-développement.
Moi qui étais habitué à voir toutes ces histoires-là, puisque j'avais l'habitude créant, étant une seconde nature, je trouvais normal. Mais elle arrive et dit, si vous avez des dirigeants comme ça, alors vous ne vous développerez jamais. Pourquoi 6 voitures dont 5 sont en panne de pneus? Il y a problème. La suite. Donc effectivement, je crois que le mal est là. C'est là où il est. C'est que nous devons concevoir un système d'organisation qui puisse permettre à ce que chaque voie soit transformée en or. Que chaque voie, pour la gagner, vous soyez vraiment cet homme dont parlait Maître Magala, qui a une vocation avérée pour servir. Si vous n'avez pas cette vocation-là, aucune chance d'avoir la voix de cet électeur-là. Parce que lui, il sait que c'est par cette voie que vous allez faire des choses, parce que vous avez promis, au niveau national, voilà ce qu'on va faire, nos provinces, voilà comment on veut les transformer, et nos entités locales, comment on veut les rendre plus dynamiques. Donc, il a un discours qui a convaincu. Mais un autre, et d'ailleurs il faut qu'il y ait une compétition entre plusieurs bons programmes. Tout à fait. Pour ne choisir que le meilleur. Et je vous dis que si on arrive à mettre en place cette organisation-là, d'abord on n'aura plus 500 ou 700 partis politiques, c'est clair. Parce que les gens vont se regrouper plutôt en fonction de ce qu'ils ont comme affinité pour dire « Allons tous ensemble à la conquête du pays. » Et nous devons montrer qu'effectivement nous reflétons l'espace national dans sa diversité géographique. Et à ce moment-là, il n'y aura plus autant de partis, parce que les partis, là, maintenant, c'est juste pour y aller manger, et puis c'est tout. Tout à fait. Donc, il faut qu'on puisse faire cet effort-là, de comprendre que on ne peut pas continuer comme ça. Comme ça se passe maintenant, il faut absolument rompre avec ça. Yambayamba, entre nous ici, importance, il y a voix. Il y a ça, voix pour la copée, ça on a moto. Vote, ils ont bon mot inayot. Ou bien, on te qui a moué qui ou pamba. Ou bien, on te qui a moué pour nous aller tomber. Mais n'attends pas, on a pour nous moutou. Ou a pèsi 2000 francs, 2500 francs. N'a mon aïki, même la place, nous sommes tous à l'aïki. 500 francs. Et bon, au sucre, on va bien y boya, on a eu 500 francs. Ou pèsi y vote. Il y a quelqu'un qui a eu la somme qui a eu la somme. Vous avez commis Boma. Vous avez commis Boma. Et alors, tant que ce soit mon tasson Bélio, moi, ma sang, tant que ce soit Zododo, Tolo Toko, etc. Et puis, on peut s'y voir. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en fout à Royam pour l'élection de bande. Non, voyez à l'Itomba, voyez à bon mourir à bande. Moi, je suis à vous, j'appelle tant que ça s'en bon mouté, mais ça m'a gagné ici. Parce que pour voir, on est allé à la salle de la carreau, n'a ma cadice. Parce que si vous avez un ticket, vous avez 500 francs. Vous avez 500 francs parce que vous avez 500 francs. Et bon, vous avez un lobby. Vous avez un lobby. Et quand vous avez un lobby, mon hôpital, vous avez un lobby. 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 Vous avez un parce que tout est comme ajouté. Donc, voilà où ça repère ça. Il y a mon esa bon moi. Bon moi, il y a bon moi, il y a na yo. Bon moi, il y a kolo mo bimba. Ce côté qui a mon a vantiré, ba roublard, ba profiter, ba fraudeur, ba corrompre. Et si on m'y bomi. Aussi on m'y bomi. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Non, mais franchement, ce qui est dit là, c'est ça la vérité. Vous assistez au meeting, et puis franchement, avant d'aller votre. Avant que les groupes pèsent sa voix, Wanana Moto, au Canis Nabuto Biba, Nalandaki Moto Boy, Moto Boy, Moto Boy, Nanyo Yo Zambe na coupé sa voix, Nanga, au Sambeli Nan. Après, ok, coupé sa moto, a pèsu à Taïlo comme mon côté, mais. A yebisi makambo, a la kisi ma yele na moutou. Tout ça a kadenge wana. Maître Magala, dans la langue que
que je sais que vous parlez le lingala, mais enfin, allez-y en français. Mon pauvre lingala ne peut pas concurrencer celui de Payamba. Mais enfin, il a été très clair et le message est passé. Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Comme on fait déjà une démocratie copiée, ceux qui nous l'ont amené ici, je prends les Français par exemple, eux prennent le temps, après que quelqu'un ait étudié, de les remettre encore à l'École nationale d'administration pour qu'il apprenne la gestion de la chose publique. C'est seulement après qu'il commence un travail dans l'opposition pour apprendre encore les réalités sur le terrain et il peut être proposé. Ce n'est pas ça chez nous. Chez nous, le système est faussé dès le départ. Vous verrez des gens qui ont passé 40 ans à Kinshasa, mais quand il y a élection, il va chercher la légitimité dans son village. Alors qu'il vit à Kinshasa, qu'est-ce qu'il connaît des réalités de son village 40 ans après? Ça fausse la donne parce que ceux qui sont là-bas et qui ont tous les arguments pour venir plaider pour ce village-là, ils sont finalement battus par quelqu'un qui vient avec des millions et qui ne fera rien nécessairement pour ce qu'on a. Parce qu'il ne connaît pas toutes les réalités. Il ne connaît pas. Il ne vit pas au quotidien la température du village. Au-delà de la loi qui est bonne, qui prévoit des mécanismes de sanctions pour des politiques s'ayant mal comportées, mais vous n'avez qu'à voir avec notre système parlementaire combien de ministres ont été sanctionnés pour mauvaise gestion ou pour incapacité notoire. Aucun. Pourtant, on les voit. Pourtant, on dénonce. Mais personne n'a jamais été sanctionné pour malversation. Personne n'a jamais été sanctionné pour insuffisance de rendement. Il y a un problème. On doit nous remettre en cause par rapport à ces réalités-là. Au-delà des débats qui sont généralement creux parce que déjà préprogrammés par un discours politique qui n'a rien à voir avec les réalités des terrains, un discours qui ne projette rien à part maintenant nous sommes dans la haine, nous sommes dans le séparatisme parce que l'autre n'est pas nécessairement bon. Oui, mais quand on condamne que l'autre n'est pas nécessairement nous qu'est-ce qu'on a donné comme rendement? On devrait se poser la question. Et enfin, j'ai dit, il y a d'autres difficultés qui font que on ne sait pas faire de la politique autrement. C'est que les réalités même des partis politiques font qu'il y a un déficit de démocratie interne. C'est-à-dire, quand le chef a dit, on y va. Même si le chef est dans l'erreur, on y va comme ça. Il y a ce déficit-là de démocratie en interne au sein de nos organisations politiques. Et puis, une mauvaise organisation généralisée. Je suis désolé. Nos partis sont très mal organisés. C'est comme ça que la tête et la base ne parlent pas le même langage. Parce qu'il y a déjà un déficit de communication et d'information. On se retrouve en train de faire un double métier à un moment, des partis politiques qui ne sont pas cohérents au niveau du discours à la base et au sommet. On devrait changer ça, je pense. Yamba. Merci. Soyez un peu court pour donner. Okay. Donc, je voulais simplement dire que tout métier s'apprend. On ne peut pas, malgré sa passion, sa volonté, sa détermination, se verser dans un métier sans l'apprendre. Et ça s'apprend à l'intérieur d'un parti politique. Et Maître Mangala a raison complètement. C'est comme ça que vous voyez la configuration institutionnelle dans un parti politique correspondrait à la gestion de la République. Vous avez un secrétariat national, il y a un président. Le président correspond naturellement au président de la République. Le secrétariat national, c'est le gouvernement. J'ai eu à travailler dans 43 pays africains pour enseigner comment on peut faire la structuration des partis politiques. Vous allez voir dans nos partis politiques, j'ai tenté même de faire ce travail ici à Kinshasa. On ne discute pas quand on est dans le secrétariat national. On discute sur des questions politiques. Qu'est-ce que le Père a dit? Qu'est-ce que l'IDPS a dit? Qu'est-ce que je ne sais pas quoi? Mais on ne dit pas la question de l'environnement aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les lois? Qu'est-ce qui reste? La question par exemple de l'agriculture, où sont les lois? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que nous proposons? Des réunions qui se font à l'intérieur ne sont pas des réunions d'apprentissage pour permettre à quelqu'un de consolider sa conviction pour que demain,
lorsqu'on acquiert le pouvoir, qu'on puisse véritablement n'est-ce pas, assumer comme il faut les responsabilités. Vous voyez, et j'ai observé cette histoire, M. Kibambi. Lorsque vous êtes à France, pour ne prendre l'exemple de la France, même si nous ne pouvons pas nous identifier à la France, Sarkozy, c'est un maire. La France, c'est 36 000 communes. Tous ces dirigeants, ministres, compagnies, etc., ils viennent de la base. Ils ont été entraînés. Dis-moi, tous ces politiciens qui se présentent là, dit, va diriger Kimbasek, il va refuser. Or, Kimbasek, c'est 2 500 000 habitants. À la différence, par exemple, du Gabon, 1 500 000. Donc, c'est tout un pays. Mais il n'a même pas été à la base. Il est auréolé d'imprécise parce qu'il a eu un peu d'argent de manière malhonnête, etc. Il s'engage. Ségolène Royal, j'ai été reçu par elle. J'ai discuté avec elle. Mais c'est dans à La Rochelle. 2000 seulement, 2000 habitants seulement. 2000. Toute la valeur de Ségolène Royal, etc., avant d'être présidente régionale. Donc, moi, je pense que l'entraînement est très important. Vous êtes dans une fédération. On ne discute pas des questions qui appellent des questions de développement, des questions de prospérité. On est dans les questions d'opinion. C'est qu'on nous appelons généralement des questions de quartier. Et donc, ça ne permet pas aux uns et aux autres de se préparer. Tout à fait, vous avez raison. Le devoir des partis politiques, c'est de former les membres afin que lorsqu'ils sortent de l'esprit du parti, ils sont armés pour l'engagement, pour le développement. Quelques 3 minutes pour conclure. Modeste Bonigaba. Merci. Je crois que les échanges que nous avons eus ici nous ont amenés à la conclusion que nous sommes à côté. Donc nous devons changer de cap. Parce que si nous continuons à concevoir le pouvoir d'État comme nous le concevons aujourd'hui, c'est-à-dire il faut tout faire pour y arriver, juste pour y arriver, non pour aller transformer, se servir de ce pouvoir pour faire des choses. Et ceux qui sont à l'opposition vont tout faire aussi pour qu'ils puissent vous remplacer. Donc la lutte devient seulement... Toi de là que je m'y mets. Cette conception-là du pouvoir, manifestement, nous a éloignés de ce qui est essentiel. Et aussi longtemps, on n'aura pas compris qu'il faut d'abord remettre ce pouvoir là où il doit être, c'est-à-dire servir, et donc faire en sorte que seuls ceux qui ont effectivement l'ambition de servir puissent se retrouver par des mécanismes appropriés pour effectivement qu'ils puissent émerger et occuper les places qu'ils doivent occuper. Nous allons continuer à prêcher des choses qui ne vont rien apporter. Pour conclure sur ce que disait quelques secondes, M. Yambayamba, c'est comme ça que cette absence de formation nous amène à une gestion qui privilégie le militantisme au lieu de privilégier la compétence. C'est lui qui parle beaucoup au nom du président du parti. Il est préféré à celui qui est compétent parce qu'on ne discute pas les valeurs de l'État dans les partis politiques. Voilà, mes chers amis, un tout dernier point. Moi, j'ai l'impression, quand je lis certains articles dans les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui ont envie de mettre du feu à la maison. Je crois qu'il faut éviter cela. Au nom de la tribu, on veut mettre du feu à la maison. On veut que les chefs s'entrebouffent. Mais là où les éléphants se battent, vous avez déjà assisté, vous connaissez la forêt? Eh bien, les dégâts sont énormes. Vous qui êtes en train de parler de Paris, de Bruxelles, je vous salue puisque vous nous suivez. Faites attention, n'envoyez pas des vidéos pour mettre le feu au pays. Vous n'en avez qu'un seul, c'est le Congo. Envoyez des vidéos pour apprendre à nos concitoyens comment la démocratie est faite là-bas. Et nous, ici, qui sommes au pays, essayons de la tropicaliser, de la congoliser. Et le pays ne s'en portera que bien. Merci d'avoir suivi ce numéro. Merci Maître Magala, merci Monsieur Yambayamba, merci Modeste Bonigaba. À vous aussi, merci et continuez cette discussion entre vous.
vous verrez que petit à petit, nous acquérons des valeurs beaucoup plus importantes. Merci.